lève bien la tête. Dernière retouche à quelques minutes du défilé. Dans les coulisses, on s'active, on stresse, on se prépare et surtout, on règle les derniers détails. En fait, quand on pose devant, on tourne. Non, tu vois, quand on est devant le jury, tu te mets dos à dos avec ta truc, tu te mets dos à dos. De l'autre côté du rideau, pas de stress, mais une ambiance de folie. Une fois le public motivé, le défilé peut commencer. 36 écoles de coiffure y participent, le fruit d'un travail long de plusieurs mois. Il a fallu gérer un budget, créer un thème, tout un univers autour de ce thème. C'est vraiment un travail vraiment minutieux de A à Z. Et donc, préparer tout ça, comment ça nous a pris vraiment des mois pour vraiment peser le pour et le contre, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas bien, qu'est-ce qui donnerait bien, et alors surtout chercher le jamais vu. Trouver le jamais vu, mais pas que dans la coiffure. Un jury de professionnels note aussi les élèves sur la chorégraphie, le maquillage et le stylisme. Aujourd'hui, en fait, la coiffure, ce qu'on appelle la coiffure, c'est le total look. La femme vient en salon de coiffure pour avoir des conseils également au niveau de son make-up, également au niveau de son stylisme. Et donc c'est important pour les coiffeurs d'avoir une vue totale de la beauté de la femme. Un défi de taille pour ces 600 élèves qui viennent des plus grandes écoles belges de coiffure, mais un défi réussi pour tous ces jeunes passionnés.